Disappointing World Cup for Belgium in Qatar, knocked out in the group stages, and in their final group game, their captain Eden Hazard, he has confirmed his retirement from international. C'est une page qui se tourne. Le capitaine des Diables Rouges a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Meanwhile, Belgium's national football team captain has announced his retirement. Neemt de aanvoerder van de gouden generatie. Eden Hazard is niet langer rode duif. C'est terminé. Ça se retire de la sélection de Belgique. Toute ma carrière, quand j'ai commencé, jamais je pensais un jour être capitaine. Quand je suis arrivé, il y a eu Van Buyten, capitaine, il y a eu Vincent, compagnie, capitaine. C'est des mecs qui parlent, c'est des mecs qui, voilà, qui ont de la voix. Je suis capitaine, je prends ce rôle très à cœur. Et moi, en fait, je suis un capitaine complètement différent. Moi, je parle pas. Moi, je rigole à l'entraînement. Des fois, je te cache pas, je suis pas sérieux. Je prends tout à la rigolade. Mais après, quand c'est sur le terrain, quand c'est les 90 minutes du match, je vais vous montrer en tant que capitaine que je vais faire la différence. Je vais vous sortir des moments un peu plus compliqués. Pour moi, c'était une grande fierté de porter ce brassard pendant je sais pas combien exactement de matchs. Ça m'a fait chaud au cœur la première fois, et la dernière fois, ça a fait chaud au cœur aussi. Les dernières années, ça n'a pas été simple pour lui non plus, quoi. Sportivement, avec la critique des Diables autour du dernier mondial, tout ça, enfin, tu vois, je crois qu'on en fait beaucoup des fois. Après, ça n'a pas été évident pour lui, sachant l'amour qu'il avait pour jouer au foot, le rêve qu'il avait de jouer au Real, c'était son rêve depuis tout petit, encore plus triste, tu vois, pour lui que lui-même, je parie. Oui, c'est ça. Tu vois. Surtout pour les jeunes et pour toutes les personnes extraordinaires. Et vraiment, on voulait vraiment te féliciter et t'applaudir. C'est très
s'il te plaît. Et le diplôme. C'est moi qui suis maintenant un peu ému. Mais toutes mes félicitations pour le combat et tout ce que tu fais pour le foot et le sport. Voilà, c'est vraiment très gentil, le diplôme du mérite sportif. Et quelqu'un peut me dire exactement à quoi ressemble... Donc, il y a un ballon. À un ballon. Avec les lunettes. Il est marqué Châtelet, prix du mérite sportif. Oh, c'est magnifique. On l'a mis en couleur rouge et jaune parce que sur allez, le montage était cherché des photos, c'est vieux circuit. En équipe nationale de CC Foot, les Blind Devils. Je suis fier, comme Eden, de pouvoir représenter mon pays, de jouer pour les couleurs noir, jaune, rouge. Tout ça fait que c'est un peu l'inspiration justement que Eden m'a apportée. Parce que ça m'a permis de me dire, ben, tiens, j'ai envie de faire comme Eden, mais de façon handisportive. Je suis d'ailleurs quasiment né avec un ballon au bout du pied, parce que mes parents se sont connus justement au football, sur le même terrain, où ils jouaient tous les deux au foot. Et du coup, ils m'ont donné la fibre là. Mon père a joué au foot. Ma mère a joué au foot. Ma maison est juste à côté d'un terrain de foot. Un ballon dans le jardin. Depuis petit, j'entendais que j'avais du talent, que... Avoir du talent à 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est... Il y a un monde, il y a encore tellement de chemin à faire pour être juste professionnel. Après, ça t'amène, si tu as des qualités, à découvrir des autres choses, découvrir le monde professionnel. Tu rêves de devenir professionnel, mais moi, c'était pas... Moi, j'avais juste envie de m'amuser. Si je devenais professionnel un jour, tant mieux. Et si pas, tant pis, je serais en train de jouer encore là aujourd'hui avec mes potes ici à Braine-le-Comte et j'aurais tout autant kiffé ma vie. Du jour au lendemain, j'ai découvert que j'avais une forte rétinite pigmentaire prononcée. C'était un gène que tout le monde possède en eux et qui malheureusement se développe que chez certaines personnes. Je pense que sans l'arrivée du CC Foot, je serais peut-être même pas là pour vous en parler. C'est un autre monde. Que des souvenirs, des beaux souvenirs. Coupe de France 2014. Rappelle de ça. Puis avec Anderlecht, c'était un tournoi. Que ce soit de belles rencontres, de moments festifs, de joie, de pleurs quand on gagne, quand on perd. Et ça, c'est des moments qui me plaisent beaucoup. Moi, je suis le foot comme n'importe quel grand fan. Et depuis que je suis devenu malvoyant, ça s'est décuplé, c'est encore beaucoup plus fort. Bonjour Kevin, donc voilà c'est Eden. Je voulais juste te faire un petit coucou. Regarde, on est là, on prend le compte, soleil. Il manque juste que toi. Un bisou mon pote, ciao ciao. Eden Hazard, qui est l'un de mes joueurs préférés et qui me ressemble un petit peu. On a cet esprit d'équipe, on a cette,
cette envie, ce plaisir d'être sur un terrain. Il a toujours le sourire, il a toujours le smile. Le fait que bientôt, peut-être, il va mettre un terme à sa carrière, pour moi, peut-être en faire de même et le faire peut-être aussi en anticipation. T'as envie d'arrêter, je comprends pas. Ça, je comprends pas que tu veux arrêter. C'est bien. Plus, t'es fan du foot. T'aimes le foot. On en a déjà parlé. C'est un choix parce que. On a fait. Voilà. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Ça fait plus de 10 ans que j'ai fait des voyages. On a eu des beaux moments, on a eu des moins beaux moments. Mais à un moment donné, tu sais, faire tout le temps des sacrifices. Et en plus, t'es bien placé pour le savoir. T'as une femme, t'as des enfants. Et toujours. Tu sais bien que moi je suis très famille. Ben, je suis très famille. Ben, moi je préfère à un moment donné penser quand même à ma famille et être présent pour les fêtes des pères, les fêtes des mères. Mais en plus maintenant mon frère a une petite fille, j'ai envie de la voir plus souvent, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui fait. N'oublie pas ton handicap. Hein. Nous on a un handicap, nous on a un handicap, donc on a toujours besoin de. Oui, la famille c'est important, mais on a besoin de notre petite bulle. Tu vois, là maintenant qu'on est né là. Ouais, c'est vrai. Ben, ça nous fait du bien. Comment tu te sens, toi? Pas évident à dire parce que c'est un peu spécial de se dire que peut-être ce sera peut-être le dernier match. Une fois qu'on est sur le terrain tous ensemble, il n'y a que ça qui compte, c'est représenter ce pays-là. Il y a l'ex juste devant, 2-3 mètres devant. Donc toi, tout ça, le premier. Pendant les 90 minutes, on n'a qu'une chose en tête, c'est gagner pour son pays, gagner pour nous, gagner pour les supporters. Et c'est ce qui nous fait, comme, en tant que joueur de foot, c'est ce qui nous fait avancer. Il n'y a plus qu'un. Reviens dans le centre, reviens dans le centre, Alex. Reviens dans l'axe, Alex. Bravo, Oli. Reste dans le match, c'est pas grave. Perdre, ça fait partie du foot. Tu peux pas toujours gagner. Et moi, quand petit, on m'a toujours appris, écoute, si tu perds un match, dans le football, t'as la chance. Chaque semaine, t'as un nouveau match. Le match que t'as perdu, tu t'en sers pour apprendre. Tu vois ce qui a pas été et t'essaies de t'améliorer, c'est tout, en fait. Tu vas perdre des matchs, tu vas en gagner. T'as un gagnant, t'as un perdant. Mais perdre, ça te fait avancer. Notre histoire, en fait, avec l'équipe nationale, elle résume bien ça. Ça fait toujours mal de perdre, mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Et quand il y a des victoires, tu te rappelles moins des défaites, tu vois. Oui ? J'avais préparé tes lunettes. Mais je suppose que tu vas mettre tes lunettes fétiches. Oui, bien sûr. Donc c'est celle-ci alors. Hein. C'est impatient pour le match. Ouais. T'as un pronostic? Ouais, victoire hein, quand même. Combien? Je sais pas moi, 2-0. 2-0. Met de aanvoerdersband. Dat was nog een vraagteken voor vandaag.
voor het eerst een wedstrijd onder de nieuwe bondscoach in het eigen stadion. En hier, ja, Eden Hazard met zijn vier jongens. 126 interlands heeft hij gespeeld. Voilà, ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous nous entendez déjà, ben bonjour à tous. On prendra les deux en fait, on commencera l'antenne en audio description. Nous sommes déjà dans le rectangle de début. Même si Eden arrête, je reste un fan inconditionnel des Diables Rouges. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. De plus, nous avons une nouvelle génération. Hoekschop in de tweede zone, le bal in de tweede zone. Et donc, ces jeunes joueurs comme Lewis Openda, Luke Bakio, qui nous donnera de nouveaux moments de joie. Et peut-être, qui sait, un jour, un titre tant convoité et tant attendu. On croit en nouveaux coachs, on croit en joueurs. Il faut les soutenir, il faut croire en eux. Et voilà, je suis persuadé qu'ils vont faire des choses magnifiques dans les prochaines années. Je me considère en tant que supporter de l'équipe nationale. Il faut tout pour faire une bonne équipe. Et c'est ce que nous, on a réussi à avoir, et c'est ce que la nouvelle génération va avoir. Et Luke Bakio. Luke Bakio qui arrive à donner à Lukaku. Lukaku dans le right, il se retourne, pied gauche, il frappe. Tu sais, le football, c'est un monde incroyable, mais ça nous stoppe à faire plein de choses, tu vois. Voyager, être là pour les enfants, voilà, faire plein de choses que j'ai pas eu l'opportunité de faire. Profiter de ce moment avec mes proches, avec ma famille, avec des amis et avec quelques jupilaires. Tous ensemble. Il y a eu presque que des bonnes choses. On a fait des choses magnifiques. Le plaisir qu'on a donné aux gens. J'espère que la nouvelle génération va enchaîner. Le foot, c'est d'abord le plaisir. Je serai toujours supporter de la Belgique. Et je serai aussi supporter du beau football.